Bonjour, je m'appelle Jade, je suis en BTS ESF, économie sociale et familiale en première année au centre de formation de jeunes de l'ANOU à Cholet. Je sors d'un bac S. Donc, bonjour, moi c'est Lauriane, donc je suis en BTS ESF, donc comme Jade, en économie sociale et familiale. En reconversion professionnelle. J'ai choisi la formation BTS ESF à Jeunes de l'ANOU parce que c'était un milieu qui m'intéressait énormément, le milieu du social. Et c'est une formation qui ouvre à de nombreux postes et à de nombreux publics également et qui est très enrichissante dans la vie personnelle mais aussi professionnelle pour après. L'année dernière, suite à mon. J'ai passé un CAP, donc accompagnement éducatif à la petite enfance, qui m'a fait donc beaucoup réfléchir sur mon projet professionnel et qui m'a amené à vouloir créer en fait un lieu d'accueil enfants-parents, donc plus à agir auprès des familles. Et par cette reconversion et ce choix-là, m'a conduite vers. Le BTS, économie sociale et familiale. Donc la formation BTS ESF, on peut être soit en stage ou bien en apprentissage. Alors moi je suis en stage, donc nous avons 14 semaines en première année de stage, donc des périodes de 2 fois 7 semaines où nous sommes en alternance avec souvent nous faisons 2 semaines de cours au centre de formation puis 2 semaines en structure. Moi, je suis en apprentissage, donc avec le BTS, donc ESF, et je suis salariée au centre social, dans un centre social. On peut être salarié aussi en EHPAD, enfin voilà. Les semaines de stage sont exactement les mêmes, enfin les périodes de travail et école sont exactement les mêmes qu'en stage classique. Donc le BTS ESF nous donne en fait. Le diplôme de technicien ESF à la fin des 2 ans. Voilà. Pour par la suite aider, conseiller, former des personnes, accompagner des personnes dans la vie quotidienne. Ça peut être des familles aussi, hein, des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont à un moment donné un besoin quelconque. Dans différents, ça peut être des institutions, différentes associations, ouais. Des structures, différents établissements. Peut-être que ça fait très très large. Hein. Oui, ça peut très bien passer de la nutrition à l'aménagement d'une pièce. C'est très très large et très enrichissant. Donc après le BTS ESF, on peut partir sur pas mal d'autres poursuites d'études. Nous, notre projet, ça serait de faire la 3e année pour avoir le diplôme d'État de CESF, de conseillère en économie sociale et familiale, qui du coup nous permettrait d'être un conseiller. Et reconnu travailleur social par l'État.